apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far. That one last kiss. Bonjour à tous et à toutes. Alors on se retrouve enfin pour un nouveau vlog. Je voulais revenir depuis un petit moment et en fait j'ai été tout le temps malade. Ça a été vraiment hyper compliqué cette fin d'année et 2022 et aussi le début de l'année 2023. Désolée si vous entendez du bruit, hein, j'ai ma petite fille à côté qui joue. Et donc impossible de filmer tout simplement parce que j'étais trop malade. Et impossible de colorier ou quoi que ce soit aussi. Donc là ça va mieux, ça faisait de nombreux week-ends que ça n'allait pas. Mais là ça va beaucoup mieux, donc j'en ai profité pour reprendre mes crayons. J'avoue ça m'a beaucoup manqué. En plus voilà, je pense que j'ai eu aussi évidemment une grosse panne de colo. Et là ça va un petit peu mieux. Donc j'en profite, j'ai très envie de... En fait... Mon problème, et je pense que c'est le problème de beaucoup de monde, c'est que j'ai envie de faire plein de choses et en fait que y a pas assez de temps dans une journée entre le travail, l'entretien de la maison, etc. S'occuper du bébé, s'occuper de moi-même, hein, de mon mari et tout, forcément les journées sont beaucoup trop courtes, c'est le cas là. Donc voilà, du coup j'espère que je vais pouvoir revenir vraiment parce que bon, ça m'embête un peu de laisser la chaîne des fois sans vidéo pendant longtemps. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et puis après, quand je reprends, je trouve que ça n'a pas trop de sens non plus. Donc là, j'ai deux coloriages en cours. Donc ce petit marque-page. Alors là, j'ai mis du Mod Podge Dimensional Medic. Mais je crois que c'est un peu comme le Glitter Accent ou je sais plus quoi. Mais il y a un truc qui existe qui est un petit peu pareil. Donc voilà, et je l'ai fait aux luminances, mon Winnie et les meubles, tout ça. Et en fait, quand il vient du bloc marque-page abécédaire. Et en fait, quand ce sera bien sec, le fond, je vais le faire au feutre à alcool. Donc voilà, je rajouterai un petit peu de paillettes, je pense. Mais du coup, il est vraiment presque fini parce que avec le feutre à alcool, j'en aurai... Enfin, je pense que ça va me prendre 10 minutes à faire. Donc voilà, donc je suis en train de faire ce colo et je suis aussi en train de faire ce colo. Hop. J'espère que vous allez le voir, le bureau est un petit peu encombré, c'est pour ça. Donc c'est Dumbo, c'est dans le livre Histoire éternelle de Disney, qu'il y a un livre que je trouve vraiment superbe. Je vous l'avais dit déjà au moment où je l'avais acheté, mais il est absolument magnifique. Donc c'est un livre que j'ai très envie d'avancer. Voilà, je vais vous présenter, je me suis fait plein de petits objectifs et tout dans tous mes loisirs créatifs. Et j'aimerais bien les tenir aussi cette année parce que l'année dernière j'ai pas tant colorié que ça. En fait j'ai eu des périodes où je coloriais énormément et des périodes où je coloriais pas du tout. Donc c'est un peu faussé. Là j'aimerais bien être un petit peu plus régulière. Du coup il me manque pas grand chose en fait. Il me manque l'eau ici, l'eau en bas et les bulles, et c'est ça qui va être le plus long, les bulles je pense. Il faut que j'essaye de trouver un petit tuto. Il me semble qu'il y a un tuto dans mon Special Effect là, un truc comme ça, je sais plus comment s'appelle ce livre. Donc voilà, ça c'est mon coloriage que je vais avancer un petit peu sans doute cet après-midi. Et je me suis aussi choisi mes couleurs pour faire j'ai acheté le Love Stories mystère, hein, sans grande surprise. J'arrive, ma chérie. Je disais que sans grande surprise, j'ai acheté le Love Stories mystère parce que je le trouve, comme tout le monde, je pense, super beau. Donc, il a été fait par Alexandre Caram. Et du coup, j'ai choisi mes couleurs pour faire le premier. Donc cet après-midi je ne sais pas encore ce que je vais faire pendant la sieste de la poupette. Soit je vais faire celui-là, soit je vais avancer mon Dumbo. Je pense que peut-être tant qu'il y a de la luminosité, je vais avancer le Dumbo.
Et en fin de journée, je ferai mon Love Stories. Mais en gros, ça, c'est les trois coloriages. Ce sont les trois coloriages du moment. En dessous, ici, vous voyez mon DP. Donc, voilà, ça aussi, c'est à avancer. Hein, au fur et à mesure, j'ai terminé un DP que je vous montrerai un peu plus tard parce qu'il est en bas. Depuis le temps, mais j'aimerais bien, il faudrait que je finisse celui-ci aussi pour pouvoir en commencer un nouveau. Voilà, donc voilà pour les en cours. Et maintenant je vais pouvoir vous présenter un petit peu mes objectifs. Donc là j'ai repris mon bujo de laser créatif. Alors j'avoue, je ne l'ai pas fait très très beau parce que j'avais vraiment pas envie. J'avais qu'une envie, c'était juste de poser les trucs sur le papier et c'est tout. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai marqué 2023. Et donc je me suis marqué mes objectifs de coloriage. Désolée, je vais achoumer. Oh là là, pardon. Donc dans mes objectifs de colo, j'aimerais limiter les achats de livres. Désolée, décidément. J'aimerais m'acheter les Light Fast de chez Derwent. J'aimerais acheter des aquarelles de chez Sparkles, des aquarelles pailletées. J'aimerais commencer 10 nouveaux livres. J'aimerais avancer 10 livres. J'aimerais faire une vidéo par semaine sur YouTube. J'aimerais poster un peu plus sur Insta et j'aimerais faire plus de marque-pages. Donc voilà. Donc ça c'est les objectifs coloriage. En DP, j'aimerais faire entre 3 et 5 diamond painting et j'aimerais limiter les achats parce que j'ai plus de 20 DP en cours. Alors, c'est sûr que comparé au livre de coloriage, c'est pas beaucoup, mais un DP c'est tellement long à faire que 20 DP j'en ai pour 20 ans, je pense. Au moins, au moins 10 ans, voilà, clairement. Alors, mes objectifs de couture, je me suis mise de faire au moins un projet par mois. De commencer mon dressing cousu main et d'ouvrir un Instagram spécial couture. Voilà, j'aimerais bien dissocier mon compte lecture coloriage d'épée de mon compte couture parce que je trouve que c'est vraiment pas la même chose. Qu'est-ce que tu fais le bébé? Oh. Et dans mes objectifs de lecture, j'aimerais rester à au moins 2 livres par semaine. J'aimerais continuer toutes mes sagas, lire mes livres papier parce que c'est vrai que j'ai tendance à lire beaucoup plus sur liseuse et tous les livres que j'achète en papier, ben je les lis pas forcément. Et ensuite j'aimerais terminer mes collections papier. Voilà, il y a des livres que j'achète en liseuse mais que j'achète aussi en papier parce que ben, je veux les avoir. Et du coup voilà, il faut que je termine les collections de ces livres là. Voilà pour tous mes objectifs loisirs créatifs slash passion, etc. Ensuite je me suis mis donc les 10 livres que j'aimerais commencer. Donc j'aimerais commencer le carré grand classique de Hachette. J'aimerais commencer le carré Love Stories. Alors le carré Love Stories, je me suis mis je l'ai juste à côté de moi, je vais vous montrer parce qu'en fait bon, j'ai aussi le carré grand classique parce qu'en fait le carré Love Stories je pense que je vais le commencer dans pas longtemps du tout. Camélia, non, parce qu'en fait ça va être un livre que je vais faire entièrement au feutre à alcool et je vais juste faire les ombrages au crayon. Mais voilà, vu que c'est un livre qui a pas d'envers, je me suis dit que j'allais faire comme ça pour essayer de m'améliorer au feutre à alcool. Ensuite, j'aimerais commencer ben, le mystère Love Stories. J'aimerais commencer le livre Happy Days. J'aimerais commencer le livre Mandala Nature, le livre Histoire éternelle, le Vitro tome 1, le Momo Girls. Alors le Momo Girls, je triche un peu parce qu'en fait j'en ai un en cours. Mais pour moi, tant que le cours n'est pas fini, il n'est pas terminé, il n'est pas commencé. Voilà. J'aimerais commencer le grand carré Petite Sorcière et le livre College Art. Je vous les montrerai au fur et à mesure des mois, de toute façon, ces livres, parce que ben voilà, l'objectif étant d'essayer d'en commencer un par mois, sachant que là, en janvier, je pourrais avoir commencé le Histoire éternelle et le Mystère Love Stories, ce qui serait super. Voilà. Et ensuite, donc mes 10 livres à avancer cette année, donc ce sont les 10 dans lesquels je vais aller le plus souvent.
ça serait le Histoire éternelle, parce que voilà, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup, donc j'ai beaucoup envie de le continuer, d'y aller. J'aimerais avancer un peu beaucoup le Fairy Celebration, j'en ai fait 6 dedans, c'est tout, et vraiment c'est mon livre, un de mes livres préférés de Clara Markova. Donc voilà, l'objectif étant, franchement, si j'arrivais à 20, ce serait trop trop bien. Parce qu'il n'y en a pas non plus... Il y en a beaucoup, mais il y en a moins de 100. Donc je pense que c'est faisable. Le Jasmine Beckett Griffith Alice in Wonderland, que j'adore. Lui, il arrive à 10. Ce serait trop trop bien. Et d'ailleurs, je pense que le prochain... Mon prochain coloriage, ça sera dans celui-ci. J'aimerais avancer le bloc message. J'en ai fait qu'un dedans, mais c'est mon bloc préféré. Donc voilà, et en plus les colos vont assez vite. J'aimerais avancer mon Andy Grace. J'aimerais avancer mon Magical Down de Anna Carlson. J'aimerais avancer le Victorian Fantasy, le Victorian Darlings de Anna Lynn, parce que c'est mon livre qui est le plus terminé de Anna Lynn. Donc je vous disais, le Victorian Darlings, c'est mon livre le plus avancé d'Anna Lynn et c'est mon livre préféré d'Anna Lynn aussi. Ce que j'ai pas marqué, c'est tout simplement parce que je les ai pas à côté de moi, donc je sais pas à combien j'en suis. J'aimerais avancer le Fanciful Fantasies de Julia Spiri. Pareil, c'est des coloriages qui sont hyper rapides, donc voilà, j'aimerais bien l'avancer, j'en ai fait quand même 3 ou 4 dedans déjà. Et le Mystère Pixar qui est à plus de 50 coloriages faits. Et le Mystère Disney tome 4 qui est à 40 coloriages faits. Donc voilà, ça si jamais je pouvais les avancer, ce serait super chouette aussi. Ça fait partie de mes objectifs. Voilà. Et ensuite, donc qu'est-ce que j'ai mis? Donc j'ai mis janvier. Ouais, il n'y a aucune fioriture, vraiment. Donc j'ai mis déjà tout ce que j'ai lu. J'ai lu beaucoup depuis janvier, mais bon, j'étais beaucoup malade, donc forcément. Ma couture, donc j'ai fait un sac origami pour une collègue. Et les coloriages que je suis en train de faire, en fait c'est vrai que ça me va bien de marquer les combos, donc là pour l'instant j'ai pas oublié. Donc voilà, avec la date à laquelle j'ai commencé le coloriage et la date à laquelle je l'ai fini, voilà. Donc c'est tout pour mon petit carnet, rien de fou dedans, mais ça me permet d'avoir un petit suivi. Donc voilà, donc là en fait je vais vous laisser, je pense que je vais reprendre mes colos. Et mon colo surtout de Histoire éternelle. Voilà, franchement si j'arrivais à le finir cet après-midi, oh là là, mais ce serait génial, mais je n'y crois pas parce que quand même il en reste beaucoup. Et après je crois qu'en fait je vais faire celui-là ensuite. Je le trouve magnifique, je le trouve trop trop beau, je le vois avec des tonnes et des tonnes de paillettes quoi. Je l'adore. Donc voilà, je vais essayer d'avancer au max celui-ci, déjà terminer toute l'eau, ce serait chouette, et commencer les bulles. Donc voilà, je vous reprendrai je pense en fin de journée pour vous montrer si j'ai avancé, on y croit. Et c'est tout pour ce matin. Alors je vous reprends, mais toujours le dimanche, mais on est en fin de journée, donc en fait je vais clôturer... le vlog pour aujourd'hui maintenant, même si j'ai espoir d'avoir encore un peu de temps pour colorier. Donc j'ai commencé le premier du Mystère Love Story. Donc je pense sans grande surprise que ce sera les seins dalmatiens, les voix blancs. Voilà, donc je suis en train de le colorier. Alors les zones sont... c'est pas évident, les zones sont vraiment petites. Donc faut bien faire attention pour pas se tromper. Voilà, mais pour l'instant je crois que je me suis pas trompée, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci, ici mon truc là, je sais pas comment ça s'appelle, le Dimensional Magic de chez Mod Podge a bien séché, j'aime bien le rendu, je voulais faire que sur le miel et ça fait vraiment comme je voulais. Donc voilà, super, j'ai pas eu le temps de faire le fond au feutre alcool et en fait j'arrive pas à retrouver mon nuancier des feutres alcool, donc je veux pas le faire maintenant pour pas gâcher, parce que bon il fait déjà nuit donc je vois pas très très bien les couleurs. Et ensuite j'ai avancé, j'ai pas du tout terminé Dumbo, mais j'ai avancé un peu en fait, rien que pour faire ça j'ai mis une heure, donc clairement il sera peut-être fini le plus tôt le week-end prochain, hein.
Voilà, donc on va voir ce soir, je vais essayer de continuer soit un peu Dumbo, soit un peu le Love Story, selon ce que me laissera faire l'enfant, évidemment, parce que bon, c'est toujours... c'est toujours en fonction d'elle, évidemment. Donc voilà, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Si j'avance un peu, je vous reprendrai demain pour vous montrer. Et sinon, je vous reprendrai peut-être plutôt mercredi, mais j'ai l'espoir d'avoir un petit peu avancé demain. Voilà, donc à demain. Par contre, vraiment, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Ouais, j'aime ça. Juste le Dumbo, peut-être il est un peu clair. Je vais peut-être l'intensifier un peu plus, je ne sais pas encore. On verra. Donc voilà, à demain. Hello, hello. Alors, je vous reprends. On est lundi 23 janvier. Il est environ 18h. Et donc, je vous reprends pour vous montrer un petit peu mon avancée du jour. Ce matin, je suis tombée du lit. J'étais réveillée vraiment très tôt. Du coup, j'ai pu colorier un petit peu. Donc, j'étais super contente. J'ai continué un peu mon histoire éternelle. Enfin, un peu beaucoup quand même. Je suis assez contente de son avancée. Voilà, donc j'en suis... Ah, vous voyez pas très bien. Le bureau est assez étroit celui-ci. Non, ouais. Mais je pense que vous allez pouvoir quand même vous rendre compte que j'ai bien avancé. Bon, je vais vous lever. Voilà, j'ai quand même bien avancé parce que j'ai fait ce matin, en tombant du lit, toute l'eau du bas. Il me manque juste ici, ça. Donc je vais voir si j'ai le temps de le faire maintenant, ce serait trop chouette. Et après, donc il me manque ça et toutes les autres bulles. Mais franchement, je suis quand même assez ravie. En plus, j'aime beaucoup, je trouve qu'il est super beau. Donc voilà, je pense que je vais peut-être continuer un petit peu, une petite demi-heure. Enfin, le temps que ma crapouillette, là, elle joue tranquillement. Donc j'en profite quand c'est le cas. Mais du coup, voilà, j'étais contente parce que j'ai fait ça bon, en 2 heures. Hein, mais quand même, c'est fait. Et j'ai avancé mon love story. Je crois pas que je vous avais montré hier où j'en étais. Et sinon, bon, bah tant pis, ça vous fera une petite redite. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas eu le temps de le continuer plus parce que par contre hier soir elle était pas très très coopérative la crapouille. Donc voilà, elle voulait que maman, maman, maman. Donc bon bah je suis allée avec elle hein, tout simplement. Voilà, donc je l'ai vu sur Instagram fait ce week-end en plus. Et non, il est plutôt mignon. Alors c'est pas du tout mon préféré du livre, je pense que ce sera même un de ceux que j'aime le moins. Mais au moins il sera fait. C'est un peu pour ça aussi que je regarde pas les solutions. Parce que je pense que si je regardais les solutions, il y a beaucoup de coloriage que je ne ferais pas. Et bon ben c'est un peu dommage quand même. Surtout que quand les livres sont faits, les feuilletés, c'est juste un bonheur absolu. Donc voilà, du coup je vais quand même le finir, même s'il me plaît pas trop ce colo. En espérant que les autres soient plus beaux. J'en discutais avec Morgane et elle me disait que justement le 2 est magnifique. Apparemment c'est la petite sirène. Donc ça devrait déjà plus me plaire. Voilà. Et en termes de lecture, alors hier j'ai pas lu parce que j'étais vraiment vraiment KO, je me suis couchée très 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 tôt, c'est pour ça que j'étais réveillée très 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 tôt. Mais je suis en train de lire le tome 5 de Kelleana, je l'avais emprunté, enfin je l'ai en livre, mais je l'ai emprunté sur la liseuse depuis un moment et en fait j'arrive pas à avancer. En fait c'est juste que dans le 3 j'ai pas forcément aimé la direction qu'a pris l'histoire. Et du coup c'est pour ça que j'ai un peu de mal à m'y replonger. Donc non, je suis au 4. Mais voilà, mais bon là je commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc non, je m'y tiens. Je vais essayer de l'avancer un peu pour vous en parler plus demain. Voilà. Et voilà. Donc moi je vous laisse pour ce soir. Si j'ai le temps, je vous reprendrai un petit peu demain. Si j'ai pas le temps, ce sera mercredi. Voilà, je me mets plus de pression. Voilà. Et je vous montrerai aussi un petit peu. En fait, vous savez, je vous avais dit que ma pièce que je vous ai présentée dans une vidéo, ma room tour, elle est en bas. Et en fait, l'hiver, je suis beaucoup plus souvent en haut. Donc je vous montrerai, en fait je me suis fait cette petite roulotte pour pouvoir colorier. Je vous expliquerai un petit peu tout ça mercredi. Et voilà, oui, voilà. Toute la journée, que ce soit à 4 pattes ou à 2, c'est une catastrophe, cet enfant c'est une pile électrique. Donc voilà, du coup je vous laisse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, pour la suite du vlog. Hello, hello. Alors
je vous reprends. On est mardi 24 janvier. Il est presque 19h. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Vous entendez qu'il y a la crapouille à côté de moi. Et du coup, je voulais juste vous montrer mes avancées. À savoir que j'ai terminé mon coloriage mystère du Love Stories. Voilà, il m'a pris quand même pas mal de temps. Mais hier soir, elle a été... elle a été compréhensible, elle m'a laissé colorier un petit peu, donc j'ai pu le finir tranquillement. Et puis bon, le papa est rentré pas très très tard, donc pareil, ça m'a permis de le finir. Finalement, je le trouve quand même assez mignon, il est hyper doux et tout. Donc non, je suis très contente de ce premier coloriage et du coup j'ai un peu hâte de revenir dans ce livre, même si je sais que ce sera pas pour le mois de janvier, mais pourquoi pas, en février, on verra. Voilà, là je pense que mon prochain... mystère, ce sera dans le Pixar, vu que j'ai pour objectif d'avancer le Pixar et le mystère classique tome 3. Ce que je me suis dit, tome 4, pardon, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire genre un classique tome 4, un autre chose, un Pixar. Un autre chose, un classique tome 4, un autre chose, un Pixar. Voilà, pour pouvoir avancer un petit peu tous mes livres de coloriage. Je suis désolée, mais cet enfant, c'est vraiment un clown. Mais franchement, je savais pas que des enfants pouvaient être... aussi rigolo quoi, elle me fait rire du matin au soir. Après pour l'instant je rigole, plus tard je pleurerai, mais pour l'instant je rigole. Donc voilà, du coup je suis super contente. En plus j'ai pensé à le marquer tout de suite sur mon carnet. Ça va être un petit peu en gros le truc le plus dur pour moi, de penser à marquer dans mon carnet. Mais voilà, je suis vraiment hyper contente. Alors je trouve n'hésitez pas à me dire, je le trouve quand même moins difficile que le Princesse. Donc ça c'était quand même positif. Il était beaucoup de petits hommes, mais vraiment beaucoup moins difficile que le Princesse selon moi. N'hésitez pas à me dire vous votre ressenti, mais voilà, du coup j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, ce sera très bientôt pour la deuxième page. Et ensuite, en ce moment, je me réveille très tôt. Donc, j'ai quand même une petite demi-heure, trois quarts d'heure de coloriage avant d'aller... avant de me préparer pour aller bosser. Et du coup, j'ai avancé un petit peu ce matin et un petit peu ce soir en rentrant, avant d'aller chercher le bébé. J'ai avancé sur mon Dumbo. Je suis contente, j'ai vachement bien avancé. Donc, je sais plus où j'en étais hier, mais je sais que ce matin, j'ai terminé... l'eau d'en bas. Et ce soir, j'ai bien avancé l'eau d'en haut. Voilà, j'aimerais bien finir ce soir ça. Comme ça, demain, en gros, il me resterait que les bulles. Voilà. J'aime beaucoup mon contour, mon combo pour l'eau. Je trouve que vraiment, ça rend plutôt sympa. Ouais, non, j'aime bien. Et après, je ferai comme j'ai fait dans le bain de Dumbo, à savoir que je détourerai le tout avec un artiste trop blanc. Et voilà, il y a juste le fond, je suis pas encore fixée, mais je pense que je vais faire ça, je sais pas, genre au pastel sec ou un truc comme ça, un fond un peu uni, parce que c'est un coloriage qui est quand même vachement chargé, je trouve. Donc voilà, du coup ça, j'ose espérer, enfin vraiment j'ai très envie d'avoir fini ça demain soir. Je pense que c'est largement faisable. Et d'avoir fini mon Winnie aussi demain soir. Voilà, ce sera les deux coloriages que je vais faire demain. Avec un peu de chance, si jamais j'ai le temps évidemment. Hein, je ne mets pas la pression plus que ça. Mais si j'ai le temps, ce seront mes deux objectifs. Déjà, celui-là c'est sûr et certain que je vais le finir. Parce qu'il me manque vraiment trois feutres à alcool et c'est tout. Et celui-ci, celui-là par contre on verra. Parce que les bulles, je ne sais pas trop combien de temps ça va me prendre. Donc voilà, je vous laisse pour ce soir. En fait, c'est vrai que la semaine, ce sera juste, ce seront juste des petites mises à jour, parce que sinon, je rentre quand même assez tard et je pars quand même assez tôt, donc j'ai pas non plus 10 000 heures de coloriage par jour. Et moi, le soir, je lis seulement. Donc hier, je suis contente, j'ai avancé quand même Kéléana de 10%. Donc là j'en suis à 45%, un truc comme ça, donc il me reste pas non plus énormément. Et là il commence à y avoir de plus en plus d'actions, donc potentiellement je suis un peu plus dedans, donc ça devrait me permettre de l'avancer un peu plus vite.
Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec ce tome. J'ai un peu de mal avec l'évolution de Kelleana. En fait, je trouve vraiment qu'elle a beaucoup, beaucoup changé. Et enfin, des fois, j'ai du mal à retrouver le personnage qu'on avait au début. Voilà, donc je sais pas encore si j'aime ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une saga que je vais terminer. Je suis vraiment désolée pour tous les petits bruits. Hein. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais continuer un petit peu mon colo pendant que la petite poupette elle joue toute seule. Et voilà, en espérant terminer, je vous tiendrai au courant demain de mes avancées coloriage ainsi que de mon avancée lecture, si j'ai le temps. Et si j'ai le temps de lire. Et voilà, donc en attendant, je vous dis à demain. Et est-ce que je clôturerai le vlog demain? C'est fort probable d'ailleurs, pour pouvoir le monter et vous le poster. En fait, je sais pas du tout quand est-ce que je voudrais les poster. Peut-être le vendredi soir, je sais pas. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand est-ce que vous préférez regarder les vidéos. Mais je pense que peut-être je vais les planifier soit pour le vendredi soir, soit pour le samedi matin. Je sais pas encore. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et je vous reprends, on est mercredi matin mais il est déjà quand même 10h. Et du coup j'ai complètement terminé mon coloriage de Histoire éternelle. Voilà à quoi il ressemble. Je le trouve trop beau. Ah franchement, je n'en pouvais plus de ces bulles. Ça a été un enfer à faire, c'était hyper long. Par contre, je le trouve vraiment magnifique. Je suis contente parce qu'en fait, d'avoir réussi à faire un coloriage qui me plaît autant, ben, ça me donne vraiment envie de recolorier. Donc, je suis trop contente. Et en plus, ben, je remplis deux objectifs dans mon petit carnet. Du coup, en fait, à la fois, je remplis l'objectif des livres à commencer, parce que du coup je me suis mis que je voulais commencer ce livre Histoire éternelle, et ensuite bah, déjà je sais que sur Histoire éternelle dans les livres avancés déjà il y aura plus zéro, donc c'est déjà très bien. Voilà, donc non vraiment je suis ravie, j'ai adoré colorier dans ce livre. Alors en fait tout est fait aux luminances, je vous avais montré. Ensuite j'ai détouré en blanc toute l'eau. Là le rose c'est du pastel sec et mes petits points c'est de l'aquarelle nacrée de chez Paul Rubens. J'adore cette aquarelle nacrée, elle est juste géniale. Ouais, vraiment trop bien. Donc voilà, du coup j'ai déjà choisi le prochain que je ferai dans ce livre. Enfin en fait j'hésite, ce sera soit je vous ferai peut-être voter sur Insta, donc je ferai soit celui-ci, soit celui-ci de Mimi et Daisy, parce que je trouve trop beau. Donc voilà, ce sera un de ces deux là. Et en plus ben, autant celui-là il a l'air un petit peu long, je suis d'accord, autant celui-ci il a pas l'air très long, donc je me dis c'est bien, comme ça me changera. Mais voilà, par contre je pense que je vais y revenir vraiment très bientôt. Parce que j'ai trop envie d'avancer ce livre. Vraiment, je le feuilletais l'autre jour et en fait tous les colos me plaisent, tous les colos je les trouve trop beaux. Donc voilà, vraiment ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un tel engouement pour un livre. Et il y a le nature que quand j'avais vu comme ça je m'étais dit oh là là je vais adorer. Et en fait le nature, soit les pages je les trouve magnifiques, soit je les trouve vraiment pas jolies. Donc je l'achèterai pas, parce qu'en fait je veux plus acheter des livres où déjà je sais que je vais pas en colorier la moitié. Enfin j'en ai beaucoup trop, j'en ai presque 200 des livres de coloriage, ça sert à rien quoi. Donc voilà, vous voyez, ça j'aime, Monsieur Madame Patate, Alice, n'en parlons pas, Sven j'adore, Nala et Simba j'adore. Enfin voilà, vraiment celui-ci, le pack papeterie je trouve trop joli aussi. Donc non, vraiment, le porcelain il est trop beau. Donc voilà, celui-ci c'est vraiment un livre que je vais avancer, je vais continuer. Alors la seule chose qui me dérange entre guillemets, c'est
que j'ai pas envie de... Moi, vous savez que je fais beaucoup mes livres dans l'ordre, mais celui-ci ne tente pas. Bah déjà, ce coloriage, j'aime bien. Franchement, c'est le seul coloriage du livre que je n'ai pas. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un livre que j'ai pas forcément envie de faire dans l'ordre, alors que d'habitude je l'ai fait dans l'ordre, mais celui-là, non. Ben en fait, Disney, je trouve que c'est un peu différent. Par exemple, les Clara Markova, ben en fait, ça reste du Clara Markova du début à la fin, alors que là, ben, votre premier coloriage c'est Jasmine, le deuxième c'est... Enfin, c'est pas du tout les mêmes univers. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de colorier dans l'ordre, et du coup... Ça me limite vachement dans le matériel, parce que là j'aurais bien rajouté quand même pas mal de paillettes, mais je peux pas parce que moi je suis pas du tout confortable après pour colorier par-dessus du Stickles. Ça me gêne beaucoup. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange pas du tout, et franchement bah, tant mieux, parce que moi ça me gêne beaucoup quand je sens de la texture en dessous de ma feuille. Donc voilà, du coup je suis un peu limitée dans le matériel, mais après... C'est pas plus mal parce que ça me force entre guillemets à vraiment bien m'appliquer. Donc voilà. Mais du coup je suis hyper ravie de ce coloriage. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et là vu qu'il n'est que 10h, je vais terminer mon Winnie. Je pense que j'en ai... Ah alors attendez. Ouais. Je pense que j'en ai vraiment pas pour longtemps. Parce que comme je vous avais dit, je vais faire juste... du feutre à alcool, donc vraiment je pense que ça peut être fait très très vite. Donc voilà, ça c'est l'objectif de ce matin, c'est vraiment de terminer, je voulais terminer tout mes en cours. Après je vais ranger ma petite roulotte pour vous montrer aussi comment elle est faite. Voilà, et après je pense que je commencerai peut-être pas ce matin, je sais pas, on va voir, mais cet après-midi c'est sûr et certain que je vais commencer un nouveau coloriage, même si je sais pas du tout quoi encore. Voilà, donc ben, je vais vous laisser là, je vais finir mon Winnie, ranger ma roulotte et vous reprendre pour vous montrer un peu tout ça. Et ensuite on choisira un coloriage ensemble, mais je pense sans grande surprise que je vais retourner dans mon Fairy Celebrations. Voilà, donc je vous fais, je vais vous dire encore, je vous fais des bisous et tout, je vous retrouve tout à l'heure, voilà, à tout à l'heure. Donc voilà mon petit marque-page Winnie l'ourson. Je trouve trop chouchou. Ouais, il faudra juste que je le plastifie du coup. Et puis voilà, il sera fini. Je suis contente, ça me fait un premier marque-page. Donc pareil, ça rentre dans mes objectifs. Désolée, de faire plus de marque-pages cette année. Donc je suis super ravie. Alors je vais juste allumer la lumière parce que la luminosité aujourd'hui c'est absolument catastrophique. Et pourtant j'ai des Velux, donc en général on voit quand même très bien. Mais c'est une catastrophe. Et je voulais du coup vous montrer comment j'avais organisé mon petit ma petite roulotte. Donc en haut j'ai mis un petit peu tout ce qui était matériel qu'en fait je garde tout le temps. Il faut juste que je remonte ma boîte où il y a tous mes stickles, parce que c'est vrai que j'ai oublié, j'ai laissé en bas. Et du coup je peux pas en mettre un peu partout comme j'aime bien faire. Donc là j'ai mes artistro glitter, mes artistro métalliques, mes artistro classiques. Ici j'ai des stylos gel à paillettes. Ici j'ai donc le mode podge dimensional Magic. Ici mon petit crayon Prismacolor. Alors ça c'est une trousse, c'est que des stylos, c'est pour faire mon bujou en fait. J'aime bien, j'ai pas mal de matériel et tout est dans cette trousse. Ça c'est un petit chiffon pour quand je fais de l'aquarelle ne pas utiliser des mouchoirs. Voilà, tout simplement, ça se lave, c'est beaucoup plus facile, ça vient de chez Action, j'ai payé même pas 1€, donc voilà. Donc mon aquarelle nacrée de chez Paul Rubens, mon aquarelle normale de Sonnet, voilà, que j'aime beaucoup. Et en dessous c'est mes pastels secs Munjo pastel, voilà, il y en a 64, c'est des demi, et moi je les aime beaucoup, franchement, enfin pour ce que j'en fais, j'achèterai pas plus, voilà. Et l'aquarelle, c'est vrai que je me le suis pas mis dans mes objectifs, mais j'aimerais bien vraiment mieux le maîtriser, c'est pour ça que j'en ai mis là. Ensuite, donc en dessous, j'ai donc mon bujou colo, j'ai une petite pochette dans laquelle en fait j'ai mis... les prochains marque-pages que je veux faire, parce que voilà, je pense que j'en aurai très souvent un en cours en fait. Donc j'en ai, il m'en reste 3, donc dans ceux que j'avais mis.
J'ai mis un comme ça de Marie Crozotino, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai mis celui-ci du bloc mystère, message, pardon, ce rêve bleu, il y a écrit, je suis désolée, ça fait pas la mise au point. Et celui-ci du bloc portrait. Voilà, c'est trois qui me plaisent beaucoup en ce moment, du coup, que j'ai envie de faire. Et ensuite, ici, c'est un petit peu ma pack, mais... Enfin, j'en ai pas vraiment fait une pour le mois de janvier, j'en referai une pour le mois de février, je pense. Mais du coup, voilà, donc j'ai le livre Love Stories parce que j'ai colorié dedans. J'ai mis aussi les livres qui sont dans mes objectifs à avancer pour les avoir tout le temps devant moi. Donc j'ai un mandala de chez Pegasus, j'ai le Flowers de chez Angie Grace... J'ai mis le carré grand classique, le grand carré Love Stories. Donc je pense potentiellement je vais peut-être commencer, je sais pas, en fait j'hésite entre soit faire le premier dans le Love Stories. Donc j'ai aussi mis le Happy Days et le Mandala Nature et le Fairy Celebrations. Donc j'hésite, soit en faire un dans le Grand Carré Love Stories, soit en faire un dans le Fairy Celebrations, soit en faire un dans le Alice de Jasmine Beckett Griffith. Voilà. En dessous, il y a le Histoire Éternelle et ici, il y a le Magical Down. Donc il y en a en fait qui de l'année vont rester près de moi et il y en a d'autres par contre que je changerai tous les mois. Même si j'ai pas colorié dedans, moi la pack c'est plus pour pas faire 10 000 allers-retours et pour pas m'éparpiller trop. Plus que il faut absolument que je colorie ça en fait hein. Si jamais je fais pas de coloriage dans un livre qui était prévu, c'est pas très très grave. Mon objectif en fait c'est de colorier, voilà, tous les mois, parce que c'est vrai qu'en général j'ai des mois où je fais je sais pas, une boulimie de coloriage, je fais que colorier, 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 et après pendant 6 mois je fais plus rien et j'aimerais bien ne pas faire ça. Donc voilà, du coup ce livre là, le Love Stories par exemple, je vais le descendre parce que je vais pas retourner dedans tout de suite, c'est sûr et certain. Et en dessous, donc j'ai les crayons que j'ai utilisés, pareil je vais les descendre parce que là j'ai envie de faire du Prisma, donc je vais remonter mes Prisma. Ensuite cette boîte je vous avais déjà montré, mais en fait dedans j'ai toutes mes couleurs de du mystère que j'ai fait. Voilà, ça me va super bien parce qu'en fait au moins ils se perdent pas. J'ai mon nuancier. Dans cette trousse, il y a tout. Il y a ma vie en fait. Hein. Il y a ma gomme électrique. Il y a des pinceaux à réservoir d'eau. Il y a des feutres. Il y a tous mes Posca. Il y a des stylos gel à paillettes. Enfin, vraiment, il y a de tout, de tout, de tout. Et à côté, c'est un pack avec que des stylos gel aussi. Donc des stylos gel pailletés, néon, pastel et métallique. Donc voilà pour ma petite roulotte qui est vraiment hyper hyper pratique. Donc voilà, du coup je vais la garder, c'est sûr et certain. Et elle sera actualisée chaque début de mois ou à chaque fois que j'ai terminé un colo en fonction de si jamais j'ai envie de garder le livre ou pas. Donc là je vais vous laisser pour le vlog de cette semaine en fait, parce que j'aime bien clôturer le vlog le mercredi. Ça me laisse, comme ça je peux le monter dans la foulée. Et vous le mettre, je pense que je vais essayer de les planifier pour le vendredi soir. Après on verra en fonction, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous quel jour vous préférez avoir les vlogs. J'hésite entre le mettre soit le vendredi soir, soit le mettre le mercredi. Je ne sais pas du tout. Donc on va voir, soit vous l'aurez vu ce soir, soit vous le verrez vendredi soir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Et voilà, moi je pense que je commencerai du coup un nouveau vlog cet après-midi, sachant que là je vais aller faire à manger et peut-être lire un petit peu, parce que hier soir j'ai pas du tout lu, ou alors je lirai un peu tout à l'heure, je sais pas, voilà, dilemme de ma vie. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.